Amoussou Modéran et Koulibaly Diarra sont des ethical hackers. Ces deux amis ont développé un logiciel capable de pénétrer les systèmes informatiques des entreprises afin de déceler les failles et leur assurer une véritable protection. On ne savait pas que grâce à ces compétences, on pouvait avoir de l'argent de façon licite sans être poursuivi. Quand vous êtes certifié, par exemple, vous êtes reconnu à l'international, c'est-à-dire que vous pouvez aller dans n'importe quel pays et travailler aujourd'hui, puisque les certifications internationales sont reconnues sur le plan international. Insecurity Day, la journée de l'insécurité informatique, organisée par l'Association de recherche en sécurité informatique, est l'espace dédié aux génies de l'informatique afin de mettre leurs talents au service de la société ivoirienne. C'est pour aider la création d'emplois dans le pays. Aujourd'hui, le domaine de la cybercriminalité, ou si vous voulez, le domaine de la cybersécurité, est un nouveau domaine pour les entreprises. Les entreprises ont déjà acheté leurs outils informatiques, ils ont acheté leurs caméras de surveillance, ils ont acheté tous leurs outils qu'ils ont connectés sans qu'on leur explique que quelqu'un qui était loin était capable de contrôler cela. Ceux qui faisaient de la criminalité normale ont compris qu'ils peuvent aujourd'hui faciliter les choses en utilisant les technologies. Et ces jeunes aujourd'hui qui ont cette connaissance sont des jeunes qui peuvent être employés et qui doivent être employés en entreprise. La Côte d'Ivoire, qui a longtemps lutté contre la cybercriminalité ces dernières années, gagnerait à soutenir ces jeunes informaticiens afin de renforcer son combat contre les espions, les anarcheurs du net et d'autres phénomènes du système informatique mondial.